a scum. Jarl Sigurd, tu as repris ta place. Ah, tu m'as manqué, mon frère. Oui, je t'ai manqué. Une ou deux fois, m'a-t-on dit. Quoi ? Tu as pris ton temps pour me retrouver. Était-ce pour... mieux profiter du trône ? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Et tuer tous ceux qui doutaient de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ranvi, Ranvi pourra te le dire. Ah oui, vraiment. Ma chère épouse. Offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Qu'est-ce que cette sorcière de Vulcot a fait ? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir, ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux, un seigneur de guerre, un Mars romain. Je sais qui je suis, je connais ma destinée, et toi, tu ne pourras pas m'en détourner! Mon frère... Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler, apaiser son esprit ? Je vais essayer. Réjouissez-vous tous. Aujourd'hui est un jour de grande fête. Notre Jarl est de retour parmi nous. Ce soir, mangeons-y. Basim ! Tu ne veux pas te joindre à nous ? Je ferai peut-être la fête plus tard. Mais ce soir, je suis mélancolique. Je préfère rester ici, seul avec mes pensées. Je comprends, oui. Ne te laisse pas désabuser par l'humeur de Sigurd. Il a eu pour toi des mots chaleureux lors de notre retour. Il a, je crois, toujours davantage foi en toi qu'il ne peut l'exprimer. C'est une confiance mutuelle. Qui est perceptible. Profite de la fête, Eivor. Où est passé Sigurd ? Va, ma fille. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherchais. Sigurd ? Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre, et sans tache. Il aurait pu en réchapper, mais... Chut ! Plus un mot à propos du passé, il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Eivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminué par rapport à ce que j'étais, mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties, de visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd, j'aimerais comprendre, mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens.
Basim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Eivor. Plus en profondeur. Et admire toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu? Ma grandeur? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment. De retour chez lui. Tu es bonne. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Message est arrivé. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle.